Benoye Katuga na na fond tchétché. Hein? Benoye Katuga. Le constat, évidemment, il est amer, aussi bien du côté des transporteurs, du côté des usagers, du côté des pouvoirs publics et des services de police. Il n'y a qu'à se balader le matin, aux heures de pointe ou l'après-midi pour voir combien les citoyens de Pointe-Noire éprouvent d'énormes difficultés à se rendre chez eux ou à se rendre à leur lieu de travail. Le problème est sérieux. Parce que l'on constate que pratiquement dans la vie, je ne sais même pas s'il faut parler de transport, nous repartons peut-être quelques siècles plus tôt. Dire qu'il y a le transport parce qu'il y a deux problèmes en réalité. Il y a les conditions certainement, tout ce qui est pas en voie, qui ne facilite pas une fluidité de la circulation du trafic. Et puis, il me semble aussi qu'il y a un peu de la part certainement de la municipalité des efforts à faire. Certainement, je veux la complaisance des autorités qui devraient s'occuper de ce genre de choses. Et puis le transport, c'est aussi certainement, et il me semble, que c'est aussi une certaine légèreté de la part des patrons qui, à un certain moment, certainement exigent un peu trop. Je ne dirais pas légèreté, mais une sorte de désir de gagner un peu plus. Or, les travailleurs qu'ils utilisent eux-mêmes aussi, ils se font des petits calculs pour acquérir un peu plus. Et donc, ils sont contraints à travailler, à vouloir travailler jusqu'à, en quelque sorte, nous sacrifier. Vous n'avez qu'à faire un tour, par exemple, au fond du Tété tôt le matin. Même les véhicules, communément appelés pique-nique, qui normalement se contenteraient de 150 francs, de 300 francs pour le transport, ben, il y a maintenant une pratique, je ne sais pas si c'est vraiment reconnu par les gens. Comment on pouvait comprendre que le transport, qui est habituellement à 150, passe carrément à 500 francs la personne? Et vous n'êtes pas conduit jusqu'à destination. En fait, on vous laisse dans les stations. Il y a aussi pratiquement une obligation d'avoir au minimum 700 francs. Parce que vous êtes demandé de voyager dans un même taxi pour finalement faire un parcours, on vous fait promener, on fait un peu de petit tourisme. Les conséquences sont aussi économiques que sociales. Il est évident qu'on arrive maintenant en retard. Les patrons qui à un certain moment veulent un rendement sont confrontés à cette réalité où ce sont les travailleurs qui en font les frais. Depuis 16 heures que je suis là à l'arrêt de bus, aucun moyen. Donc là, je ferais mieux de marcher jusqu'à chez moi à pied. Donc je vis loin, je vis en PACA. Donc quitter d'ici jusqu'à PACA à pied, vraiment. Même le matin, on a toujours des difficultés de prendre le bus. C'est pas l'argent qui manque. On a l'argent, mais le bus, vraiment, c'est difficile. Donc l'État doit faire quelque chose pour nous, pour le transport. À toute fois, on a des difficultés pour le transport. Vraiment, nous sommes fatigués à toute fois. Et puis, nous sommes souvent en retard à l'école. Les profs ne nous comprennent pas pourquoi nous sommes en retard. Hein? Les bus sont difficiles, quoi. Il y a longtemps que nous sommes là, ça fait 2 heures de cela. Il n'y a aucun moyen qui s'occupe de nous. Vraiment, ce n'est pas normal, ça. Depuis presque 23 heures du temps, nous avons passé mon passe. Donc, même,
Mais ben ko mana yinzo parfois à 21h 22h parce que faut que tambule na makulu parce que ba demi terrain me comme trop. Ba bantu ke mani sa temps mais bus ke suka kaka exemple na na ben ko katuka na na fontchetie. Hein ben ko katuka na fontchetie. Bus ke ku suka na château d'eau. C'est trop. Na ko na kokila. Ba bus ke na suka na baguette d'eau. Aller-retour, ça fait au moins 600 ou 1000 euros comme ça. Là. Taxi, mais kuma, babantu, il y en a taxi, vous foutez 1000 francs, 1000 francs. À fond, il y a kuma, même moi, ma voiture, il y a fioti, il y a pique-nique, il y a. Vous comptez 500, vous comptez la barrière, 500. Et vous êtes à 6 ou 7. Et pourtant, on attend, on va dire que vous avez un peu de temps, on va dire que vous avez un peu de temps, on va 150, vous avez un peu de temps. C'est un manque à gagner par rapport à l'embouteillage, on a le temps. Donc c'est un peu ça. Il y a un problème, il y a le timing, c'est le temps, on a distance côté Moutouké Nakwenda. Quand tu fais tes calculs, si ça ne répond pas, je préfère rouler soit vite jusqu'à ce que mon gongo soit client. Vraiment, si réel, on manque de bac, on va course à 700. Il faut que tout le monde à 1h du matin, on longue sa recette. Et il est donc intéressant pour le bien de la communauté urbaine de Pointe-Noire, pour le bien du développement dans notre pays, puisque Pointe-Noire, c'est quand même la capitale économique, qu'une solution efficace soit trouvée sur cette difficulté en ce qui concerne les transports en commun dans la ville de Pointe-Noire. Il y va de l'intérêt de la nation, puisque lorsque les gens ne peuvent pas se rendre à temps à leur service, évidemment, c'est le développement du pays qui est compromis. Nous invitons donc la mairie de Pointe-Noire, les services de police, le gouvernement de la République, puisque on se rend bien compte qu'il y a aussi des problèmes de route dans la ville de Pointe-Noire, de bien vouloir trouver une solution qui, évidemment, pourrait arranger les populations, qui pourrait arranger les citoyens de la ville de Pointe-Noire.